disent de mauvaises choses avec M. M.C.Depo et son fils Tours. Comment allez-vous les Russes? Ça va, ça va. Comment ça se passe? On a mouillé le maillot, c'est le principal. Aïe, aïe, aïe. On a bien transpiré. Ok. Il n'y a pas si longtemps, je regardais une vidéo de toi-même avec ton fils quand il était tout petit. Ouais, exact. Ça m'a ému. C'est vrai. Djibril, le petit peu mon pote, la relève, le meilleur MC plus tard, vous allez voir, va tout niquer. 2095, c'est lui. Djibrex. Voilà. Même lui, il se rappelait plus de la vidéo carrément. Il savait pas, il était trop petit, ça. C'était pas un souvenir qu'il avait gardé en tête et c'est pour ça que c'est beau les vidéos. C'est ouf. Parce qu'on peut nous replonger dans nos archives. On en vient de... La prophétie est arrivée de toute façon. J'ai dit que ça allait être le meilleur rappeur en 2095. Il te reste 55 ans, 75 ans pour le prouver. La raison de votre présence ici, même si elle est évidente. On aime soutenir la cause à fond, déjà en tant que représentant du 95, aussi, parce que ça nous touche, parce que ça arrive beaucoup. Nous, en tant que jeunes de banlieue et tout, on était obligés d'être là. Moi, ça m'a fait plaisir que ça nous invite. Un soutien fort. C'est cool, c'est bien, ça me faisait plaisir d'être là. Moi, quand les événements tragiques sont arrivés, j'étais en Thaïlande, il y a eu différentes marches et j'avais un petit sentiment de culpabilité de pas pouvoir... donc j'ai fait ce que j'ai pu, on m'a transmis un t-shirt, j'avais fait des petites photos avec, en tout cas pour montrer que je me liais à la cause. Et là, dès qu'on m'a appelé, même si j'avais eu des trucs à faire ou des vacances planifiées, j'aurais annulé pour faire ce truc. Voilà. C'est donner de l'amour, de la force et lutter contre les injustices, quelles qu'elles soient en fait. Qu'elles soient en banlieue, qu'elles soient dans un sens ou d'un autre. Voilà. Combattre l'injustice, là, c'en était une. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé avec George Floyd, à l'issue du procès, est-ce que vous pensez que ça va contribuer à la diminution des violences policières dans le monde? Est-ce que vous pensez? Pas dans le monde, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Ça fait quand même beaucoup de bruit, mais la communauté que ça a touché en France, je pense que c'est la communauté noire. Les blancs, ils ne se sont pas sentis concernés, impliqués. Donc là, c'est important aussi qu'un artiste blanc soit aussi sur scène pour montrer que c'était pas qu'un combat les noirs contre la police. C'était un combat contre l'injustice. Et l'injustice, elle n'a pas de couleur. Et on va rester sur ces points. Merci à vous. Excuse-moi, mais tu disais que tu tires ta révérence, nous on n'a pas envie. C'est sûr, mais je le fais que par passion, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de timing, il n'y a pas de date à respecter, mais le tremplin, il a été mis sous ses pieds, il n'a plus qu'à sauter. Voilà. Et toi de ton côté, est-ce que maintenant le flambeau est... Est-ce que ce fardeau... Je sais que t'es musclé. Est-ce que maintenant t'es assez musclé? Non, non encore. Et le muscle le plus dur à muscler, c'est celui-là. Et ouais, avec le temps, de toute façon, là on est jeune, je fais mon petit bonhomme de chemin et c'est sûr qu'on va reprendre le flambeau tel qu'il se doit. Déjà, c'est très bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci.